fait kangou quand vous kangou jump. Et ça fait kangou quand vous kangou jump. Et ça fait kangou. Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, il s'est passé quelque chose d'assez... alors je vais pas dire grave parce que c'est pas vraiment le mot, mais je vais vraiment vous demander de rester tout au long de la vidéo parce que là c'est vraiment pas cool ce qui s'est passé pour moi, Lily Rose et Peppa Pink du coup. Alors... vous devez vous poser des questions, surtout pour ceux qui ont vu nos dernières vidéos. Oui, effectivement, on avait déménagé. On a encore déménagé, vous inquiétez pas. On va pas revenir ici. Sauf que, bah voilà, hein, vous connaissez. Là, vous reconnaissez le décor, vous reconnaissez l'endroit. Là, je suis dans notre ancienne maison. Donc, pour l'instant, on l'a gardé hein, parce qu'il y a encore plein d'affaires à nous. Tout ça, on n'a pas totalement déménagé. Et même pour tout vous dire... attendez, je vais aller directement à l'endroit... que vous connaissez le plus. Voilà, bon, je suis pas très rassuré les amis, désolé si on dirait que j'ai un peu peur dans la vidéo, mais c'est normal, je vais tout vous expliquer. En gros, ce qui s'est passé, c'est comme vous le savez, depuis plusieurs mois dans cette maison, donc c'est notre ancienne maison que la plupart d'entre vous connaissent du coup, parce que on a tourné ici, on a filmé ici pendant 4 ans, etc., dans cette chambre. Et comme vous pouvez le voir, quasiment rien n'a changé. On a quasiment laissé tout tel quel. Toutes les affaires de Lily Rose sont encore là. Elle a récupéré juste une valise d'affaires. Enfin bref, on est parti très vite, on est parti en précipitation. Et il y a une raison. Je vais tout vous expliquer parce que là, c'est assez terrible ce qui se passe. Et à mon avis, dans la vie... punaise, ça commence... Ok, bon les amis, je vais essayer de me calmer. Je vais essayer de me calmer très vite. Mais justement, ça... c'est une blague. Non mais, vous voyez, ok, ça commence. Bon, les amis, c'est pour ça, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Parce qu'à mon avis, il va se passer énormément de choses. En gros, ça fait 2 semaines qu'on a déménagé dans notre nouvelle maison. Bon, j'allais dire, tout se passe bien. Tout ne se passe pas très bien. On a un voisin bizarre. Il y a un clown bizarre qui apparaît des fois chez nous, qui rentre chez nous. Bon, on n'est pas tranquille, mais c'est déjà beaucoup mieux qu'ici. Parce que pour ceux qui suivaient les vidéos, vous savez, il y a des objets qui bougent tout seuls. On entend des bruits la nuit. Enfin bref, c'est vraiment catastrophique. Cette maison, c'est... voilà, encore un truc en direct. Il y a ça là, le truc de vitamine qui est tombé comme ça tout seul. Et ça encore c'est rien par rapport à ce qui se passe hein. C'est... ok, voilà, voilà, vous voyez. Là franchement je suis même pas étonné. Vous voyez, regardez. La porte. La porte qui se met à claquer toute seule. Et là les amis, on n'est pas le soir hein. Il n'est pas 3h du matin, on est en pleine journée. C'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est parce que on était tranquillement dans notre nouvelle maison. Mais vraiment tranquille, on se levait, il était 10h du matin, tout ça, enfin vraiment tranquille. On prend le petit déjeuner, et là d'un coup, sur la télé, enfin c'était pas sur la télé du coup parce qu'on n'a pas encore de télé dans la nouvelle maison, mais c'était sur l'ordinateur, sur l'écran d'ordinateur portable. D'un coup il y a une vidéo qui se lance toute seule, mais une vidéo, nous on n'était pas en train de regarder l'écran. Ok, je vais m'éloigner de la porte parce que elle arrête pas de claquer. Enfin bref, bon c'est ça que je voulais vous dire. Une vidéo qui se lance toute seule sur l'ordinateur alors qu'on n'était même pas en train de regarder l'ordinateur. On était en train de déjeuner tranquillement, de prendre le petit déjeuner. Et une vidéo se lance. Et là dans la vidéo, qu'est-ce qu'on voit? Une vidéo de 3 secondes vraiment. C'est resté pendant 3 secondes sur l'ordinateur. On voit quelqu'un qui rentre dans notre ancienne maison et qui court partout pendant 3 secondes. Alors c'était ultra rapide, on le voit rentrer. Alors... on l'a vu à la porte d'entrée, donc qui est juste en bas. On l'a vu pendant 1 seconde courir dans l'escalier. Et ensuite, on l'a vu pendant 1 seconde, comme ça, toucher à plein d'objets dans la chambre de Lily Rose. Et effectivement, quand je suis arrivé tout à l'heure, parce qu'avec Lily Rose, du coup, on s'est dit, vite, faut retourner à l'ancienne maison, parce que il va prendre des affaires, en fait. On s'est dit, il y a quelqu'un qui est en train de voler toutes nos affaires. Parce que même si on a abandonné un peu cette maison, enfin, on l'a abandonnée. Entre grosses guillemets, hein. C'est-à-dire que c'est encore à nous, on y va de temps en temps pour récupérer des affaires, etc. Il y a quelqu'un qui vit ici, il y a quelqu'un de notre famille qui vit ici en attendant qu'on déménage, enfin bref, la maison n'est pas toute seule. Et d'ailleurs, la personne qui vit ici, vous la connaissez pas, on l'a jamais montré en vidéo, c'est un de nos cousins. Et ce cousin-là, il regarde pas nos vidéos, il sait pas ce qui se passe dans la maison, et pourtant, tous les jours, il nous envoie des messages, ouais, dans votre maison, c'est bizarre, il y a des bruits, etc. Bon. Bah du coup on lui a expliqué que cette maison était un peu hantée et qu'il y avait souvent des problèmes. Ok, attendez. Regardez-moi ça. Regardez. Pourtant je touche rien. C'est un truc de fou. Je sais pas comment c'est possible.
Il y a des forces ici qui sont incroyables. Et enfin bref, du coup, on est très vite revenu ici. Et heureusement qu'on habite pas loin, parce que sinon on n'a pas déménagé à l'autre bout de la France, heureusement, parce que sinon on n'aurait pas pu revenir. On revient ici, quasiment tout était en ordre, mais il manque des affaires. Et on est sûr qu'il manque des affaires, parce qu'on a regardé la vidéo qu'on a fait juste avant de partir de cette maison, justement. Et il y a des jouets, j'allais dire, enfin c'est pas vraiment des jouets, mais il y a des objets qui ont disparu, des peluches, il y a des objets de collection de Lily Rose, tout ça, qui se sont volatilisés. Évidemment, c'est pas notre cousin qui les a pris. Notre cousin, on a totalement confiance en lui. Et puis même, c'était pas lui sur la vidéo. Et le truc, c'est que quelqu'un a filmé cette vidéo, a réussi à nous l'envoyer sur notre ordinateur. On sait même pas comment, elle s'est ouverte toute seule sur l'ordinateur. Enfin bref, j'ai l'impression que les gens qui hantent cette maison, en fait, qui ont rendu cette maison hantée, qui nous embêtaient quand on habitait ici, veulent vraiment qu'on revienne ici et qu'on y reste, quoi. Mais nous, comme je vous ai dit, les amis, cette maison, bientôt, ça va être du passé. Là, à mon avis, vous allez la voir encore dans quelques vidéos, parce que là, on a dû revenir pour régler ce problème-là. Donc peut-être que s'il se passe quelque chose, on va en parler, on va en faire une vidéo. Mais on a juste envie de partir, parce que ça se passe beaucoup mieux dans l'autre et qu'on vous prépare plein, plein de choses. Franchement, les amis, là, les prochains mois, il va se passer énormément de choses, énormément de vidéos, et je pense que vous allez énormément apprécier. Et du coup, c'est pas du tout... Alors là, là c'est vraiment pas cool. Hein. C'est... Comment ça... Ah, punaise. Attendez, il y a ce truc là qui a roulé. Regardez ce que ça a fait sur le lit. Ah non mais là c'est pas cool du tout. Hein. Ça a cassé un peu le lit. Mais ça c'était... Mais c'est une blague. Non mais là c'est pas possible, là c'est des fantômes qui s'en prennent aux affaires carrément. Alors là, bon franchement, les amis, je vais avoir des problèmes à régler. On va récupérer encore des affaires ici, comme ça même s'il y a quelqu'un qui rentre pour en prendre, on va être tranquille, ce sera pas des affaires auxquelles on tient. Parce que là il y a encore pas mal de choses qu'on doit déplacer jusqu'à notre nouvelle maison. Et en tout cas, si vous voyez le moindre truc dans les vidéos, si vous voyez un fantôme, un truc comme ça, prévenez-nous, parce que nous forcément, même si on regarde les vidéos qu'on fait, bah on peut pas tout voir, on n'a pas quatre yeux, etc. Donc ce qu'on va faire... Ok, attends. J'ai l'impression d'avoir vu une ombre qui est passée là, comme ça dans l'escalier. Enfin bref, on peut pas tout voir. En attendant les amis, ce que vous pouvez faire, ça vous pouvez le faire tout de suite, c'est vous abonner à cette chaîne pour suivre les prochaines vidéos, activer la cloche, mettre un like si c'est pas fait, vous mettez le petit like, et surtout ce qui me ferait le plus plaisir, c'est que vous alliez voir une autre vidéo sur cette chaîne. Vous cliquez sur la chaîne, vous allez voir une autre vidéo, ou vous cliquez sur la vidéo qui est juste là, et à la prochaine pour de nouvelles aventures. A plus. Quand vous tiennent